Je suis président, cofondateur de la Association Home Sweet Mom, qui est un café par enfant dans le quartier de la Goutte d'Or. Attends, la musique. La vocation de Home Sweet Mom, c'est d'être un lieu de vie chaleureux, ouvert pour les mineurs et leurs familles, sans exclusion sociale. En somme, être un accueil inconditionnel. Je crois qu'elle existe par rapport aux valeurs fondamentales qu'elle défend et qui fonde aussi sur des actions donc qui sont l'émancipation, la coopération, la solidarité, la justice et la liberté pour l'enfant et aussi pour l'adulte. C'est convivial, l'idée elle est géniale parce que les enfants ils se sont bien amusés, ils ont bien joué. On découvre un lieu, on découvre des gens, les enfants s'amusent, on croise d'autres parents, on discute, c'est très bien. Tout le monde peut venir sans forcément avoir une problématique technique, ce qui permet justement on retrouve toutes les catégories socio-professionnelles du quartier et de l'arrondissement. On voit vraiment des personnes différentes qui évoluent, d'où aussi la pertinence et l'intérêt d'un tel projet. Il y a la famille comme vecteur de lien social. Donc, je suis bénévole au sein de l'association Home Sweet Mom et particulièrement en charge de l'organisation des ateliers qui ont lieu pendant la journée. Le but étant de proposer des ateliers autour de trois grandes thématiques, des ateliers manuels, des ateliers plutôt sportifs et des ateliers, on va dire, plus autour de la culture. Je joue, je fais des choses, je fais plein de choses, je fais de la cuisine et je prépare des gâteaux. Il y avait ça, il y avait la cousine. Il y a des ateliers manuels, il y a des ateliers cuisine. Donc voilà, c'est assez intéressant. Je viens ici pour retrouver des amis, participer à des activités. C'est bien pour les week-ends pluvieux, froids de l'hiver et c'est sympa pour les enfants quoi. C'est l'occasion aussi pour les parents de se rencontrer et puis pour tous les autres quoi. Ça crée plein de moments très très chouettes, très conviviaux et voilà, c'est une super association. Je suis plutôt épaté justement qui est comme ça, ces bénévoles qui donnent de leur temps et qui proposent leur savoir-faire. On insiste beaucoup pour que tout au long de la journée il y ait de l'échange et du partage, que ce soit entre les enfants mais également entre parents et enfants mais également entre parents. Vraiment des gens qui viennent de tous les milieux culturels, de tout, voilà, de toutes les origines, qui se croisent, qui discutent les uns avec les autres. Je pense que c'est l'un des rares moments où on oublie d'où on vient, qui on est. On est là pour faire la même chose tous ensemble et ça c'est ce que je trouve génial dans ces ateliers. Beaucoup de convivialité dans ces journées. Le but c'est de venir en étant de bonne humeur, d'oublier tous ses soucis du quotidien et de venir passer un bon moment tout au long de la journée, donc en toute simplicité. Moi, ça a été très important quand je suis arrivée à le quartier. Parce que ça m'a donné un côté familial que j'avais beaucoup besoin quand je suis arrivée. Il faudrait vraiment qu'il y en ait dans tous les arrondissements de Paris parce que c'est vraiment des endroits où les gens se retrouvent et ça crée des liens entre les gens qu'on arrive difficilement à trouver dans d'autres types d'associations. Et s'il pouvait y en avoir en province, toutes les villes de France, ce serait super. Home Sweet Home, c'est super. C'est une mode, j'adore. C'est vraiment. Il y a des super choses et je trouve que c'est super. C'est une jeune association, jeune et ambitieuse. Et donc on se donne le droit de rêver, on aimerait continuer nos activités. Donc pour le moment, on fonctionne, on fait des ouvertures de 2 journées par mois et on aimerait augmenter doucement ce rythme-là. Et pourquoi pas, d'ici quelques années, avoir un lieu, un café qui pourra accueillir les familles au quotidien.
on œuvre comme d'autres associations du quartier pour un bien commun encore meilleur et aussi également pour ces jeunes citoyens, ces enfants jeunes citoyens qui soient plus éclairés et plus libres à l'avenir.